L'Ukraine accuse la Russie de s'être emparée de plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales lui appartenant. Selon le vice-ministre ukrainien de l'agriculture, Moscou aurait saisi de grandes quantités de céréales dans les régions de Zaporijia, Kherson, Donetsk et Lugansk. Dans ces régions, les agriculteurs disposent d'environ 1,5 million de tonnes de ces cultures céréalières. Ces stocks ont été constitués d'abord pour la saison des semis. Nous avons également constitué ces stocks pour la transformation en farine destinée à la fabrication du pain pour les Ukrainiens qui vivent dans ces territoires. Bien entendu, il s'agit d'un produit de réserve important. Il faut voir aujourd'hui les prix internationaux qui sont très élevés. Il s'agit de centaines de millions de dollars. Il y a un risque important que ces stocks soient tout simplement volés et emportés pour le compte de la Russie. Toujours selon le vice-ministre ukrainien de l'agriculture, le vol de ces céréales met en péril la sécurité alimentaire au niveau mondial. Ukraine et Russie garantissent habituellement le tiers des exportations de blé dans le monde.